retour fatal. On dit qu'une légende ne meurt jamais. D'autres lisent l'histoire, d'autres l'écrivent. J'ai décidé d'écrire la mienne avant que la vie ne m'en prive. Je suis un motard instruit, je suis un motard qui aime sa passion. Écrire est une arme fatale pour anéantir les néants afin de faire réjaillir la création. Ce retour n'est pas une sorte de vengeance, mais un message qui forge le cœur des passionnés. Motard Sako à l'état civil, Mamadou Sako. Celui qui est destiné à être au royaume ne mourra pas au berceau. Face à vous, j'aimerais vous parler de ce retour, alors écoutez avec attention chaque mot. Ce fait qui a éveillé le monde entier à travers une vidéo catastrophique sur les réseaux est ce phénomène qui m'a ouvert les yeux. En trébuchant, j'ai accepté. En me relevant, j'ai pas crié. Je crie en Dieu, maître du destin de chaque personnalité. Si Dieu ferme des portes, sûrement il en ouvre d'autres. J'ai accepté cette défaite qui fut pour moi une opportunité. Ça m'a rendu clairvoyant, alors je vais jamais oublier. J'ai vu qui étaient les vrais amis et ceux qui faisaient semblant. Merci pour vos soutiens et l'amour que vous avez pour moi. Cet amour indéfectible qui me permet de continuer à me battre sans cesse. On m'a dit que j'étais immortel, pas seulement que j'échappais à la mort, mais parce que le destin a fait de ça un obstacle à surmonter pour voir les choses et leur réalité. Ce fait m'a appris à comprendre ma compétitivité, mon niveau, ma compagnie et aussi ce que je vaux comme valeur. On pense que motard est un delinquant de la route en oubliant les talents qu'il possède. Je crie en ce que je faisais et en qui je suis. Descendant d'esclaves et des rois sans nul doute, j'ai toujours voulu devenir ce que je suis aujourd'hui. J'ai songé à faire avancer la bike life, car un rêve ne doit pas rester qu'un rêve, il doit être une réalité. Je suis tombé, j'ai appris à me relever. Cette activité est ma passion, je ne pouvais pas abandonner. Pour moi, la moto c'est plus qu'une drogue, je continuerai à le faire même si ce n'est pas la vogue. L'amour de cette passion coule dans mes veines, passant par mon corps et libère mes pensées pires et saines. Je suis biker, nécessairement pas pour l'argent, mais pour briller et honorer ceux qui m'aiment vraiment. J'accepte que cette passion est dangereuse, mais pour moi un sens de distraction. Entre motards, il n'y a pas de frontières, car on s'appelle tous des frères, malgré l'âge qui nous diffère. Si le port du casque est vital, alors désormais j'obéirai à l'éducation civique et morale. Aujourd'hui, je remercie le bon Dieu qui me retient toujours en vie malgré beaucoup d'obstacles et à continuer à poursuivre et à réaliser mes rêves les plus chers de mon âme. Je ne suis pas le fils aimé de la nation, mais un motard à la Malcolm X. J'aime ma passion et c'est ce que je fais comme activité. Un jour, je glorifierai ma nation et porter son drapeau pour faire sa fierté. La couronne, je ne la mérite peut-être pas, mais une chose est sûre, je suis et je serai dans l'histoire de la bike life malienne. La vérité engendre la haine et la jalousie. Les champions tirent les leçons du passé, concrétisent le présent, pensent au futur. Regarde ces blessures, mais je suis toujours debout et plus fort que jamais. Même si ça a pris du temps à réaliser ce projet, je l'ai quand même fait par la grâce de Dieu. Être une légende, c'est ce que je vise. Être une légende, c'est ce que je vise. Retour fatal.